One simple but brilliant trick to cool your home in 90 seconds. Tired of hot and stuffy rooms during summer? This genius way to cool any room in 90 seconds for almost zero cost is taking over the market like crazy in the US. An ingenious college kid from Phoenix just destroyed the billion-dollar AC industry by building... C'est nous-mêmes qui pour clé, clé.
C'était encore Fred Joe, hein? Alléluia. Fred Joe, Joseph Maître. Et avec encore Jésus, wa. Nous saluons chaque monde qui branche. All right, so if we look at the cheat sheet, and I'll show you where to get this in a sec, let's just take four chords. So first, E minor, it looks like this. Que bon Dieu capable de nous matin, c'est bienvenue à l'offrande du matin. Alléluia. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Bonjour, bonjour, nous va prier pour vous encore, docteur Michael Jakes, qui est l'hôpital. Alléluia, il dit Jakes, l'hôpital, ensemble avec lui, nous va prier pour vous encore. Et pasteur Michael Jakes, avec encore pasteur Eddie Jakes, qui est l'hôpital, ensemble avec lui, depuis 3h30 du matin. Et nous saluons dans le nom du Saint verset de Jésus. Bonjour, 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 le regardé, Eddie Jakes en premier. Encore Wilton Fenelus en deuxième, et puis Johanna Simon, alléluia, Elie Léger. Nous saluons dans le nom du Saint verset de Jésus. Wilton, comment est-ce dans Babalo, alléluia, alléluia. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et Marvel Renault, alléluia, Marvel Boy, bonjour, Stéphanie Dorzin, Stéphanie Paul Dorzin. Bonjour. Et alléluia. Jonel Jean, nous saluons. Pasteur Ezekiel Jeannot, nous saluons dans le nom de Jésus. Comment nous y est, partagez pour nous, s'il vous plaît. Alléluia. On peut continuer toujours. Yes, on peut continuer. On peut continuer avec d'autres musiques pour vous, à la gloire de Dieu. Que mon Dieu capable bénir vous. Bonne journée à tout le monde. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Yes, bon occasion de s'ambition, non? Oui. Bien sûr, un petit moment. Ok. Le baiser du matin, le baiser de Jésus. En ce vendredi matin, juste pour vous réveiller. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisous, oh. Jésus, je t'aime, oh. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime, oh. Fais-moi bisous, oh. Adonai, je t'aime, oh. Hachana, je t'aime. Bonjour, c'est ton bisou là que je veux. Bonjour, Adonai, oh. C'est
que je veux. Désarmer mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Si conçu mon cœur. C'est ton bisou là que je veux. Je veux que mon cœur change. C'est ton bisou là que je veux. Papa Yahweh. Gloire, gloire, gloire. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. L'offrande du matin, yeah, c'est l'offrande du matin. Bye bye, aïe, 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 l'offrande du matin. Côté bataille là. Éclairita. La vie roulant, mon bon Jésus, pas de rien pour faire me quitter, c'est dans les gains la vie. Si dans les mondes qui gagnent à faire, c'est l'âme télé, nous pas joigner, pour ne pas sentir bien. Y a plein de jours réglément. Laissez Jésus pas aux richesses qui pas par où la réglement. Laissez-en sentir à l'aise que mon père. Jésus, bah ouais, les gens vous le passent à ville. On a des codes, non, mais j'ai fait mes. Mais on a les mains, les grands plaisirs, les sorts, pas gain, aucune limite. On vit les corps, j'en voulais. Et manger bien, voyez, mes amis, c'est pas t'y causer. Non, non, ça t'a blonde. Est-ce qu'on
vin kon la gen kon nomen je fèmen. Bonjour et Betty da Joseph, bonjour et Betty. Éclairita, éclairita. Sans honte qui t'a encore. Sans honte qu'on passe dans le monde jusqu'à maintenant, Babéraï, à la honte des misères, reconnaissant. Et dans le monde, Michel, bonjour. Est-ce qu'on reste les mêmes bagailles? La rencontre est Jésus, en bons amis, dans tout Jésus, par les raisons pour ne pas s'aimer, en la guerre contre l'homme. M'a chanté, c'est grâce mon Dieu que mettez sous mon, sans mon fin taillé. Même rencontré avec Jésus, l'écrasé, mes piliers, mes femmes, et puis laisse à nous changer. Même moi. Et on va pas dire rien, c'est la gamme de taillé. Éclairita, éclairita. Jésus, pas gagné pour femme qui t'aime, c'est dans lui que la vie pour tout le temps. Oh yes, go. Toutes les anciennes musiques évangéliques avec vibration rétro. Yes, c'est pour les chibelles, hein, yes. Partagez pour nous, partagez pour nous là. Ça qu'a remplacé, présence sous nos guémois. Oh yeah, oh yeah. Ça qu'a remplacé, présence sous nos. Bonjour, 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 bonj
On salue dans le nom du Saint-Versé de Jésus, Babylon, on fait le point du matin. Bonjour, le long guerrier, bonjour, bonjour, bonjour. Mais ta bonne vie avec pas de sens, ta marche en bas de direction. Encore une fois, encore, comme dit Marie Azor, bel bonjour à tout le monde. Bel bonjour aux super branchés. Bel bonjour encore à tous. Alléluia. Les internautes. Alléluia. Gerline Paul, Manouchka. Oh, Manouchka. Même je viens de demander pour toi, Manouchka. Tu dormais encore? Tu es de te réveiller maintenant? Hier, nous avons avec nous et encore la belle Fabienne Mirazi, la Canadienne. Qui est encore branché maintenant, alléluia. Jennifer Davis depuis Mendoza, Marianne Charles depuis Mendoza, alléluia. Nous vous saluons tous, Wilton Finlis depuis Barbalo, alléluia. Et good morning, good morning, good morning. Bonjour, 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 bonjour. Yes, c'est toujours le front du matin. Joanne Cadet depuis encore son lieu de travail à Long Island. Nous vous saluons tous dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Alléluia, comment ça va? Yes, aujourd'hui est vendredi, ce soir, jeûne de guérison, veille de nuit avec jeûne de guérison, tout de suite après, il y a encore ministre Chelsea, donc ce sera jeûne de guérison à la gloire de Dieu. Yes, n'oublie pas de partager pour nous, s'il vous plaît, et n'oublie pas encore d'aller sur l'offrande du matin, sur YouTube, et puis de vous abonner, s'il vous plaît. Et nous avons des études bibliques là, et puis la même émission que vous voyez tous les matins et tous les après-midi, nous les avons aussi encore sur YouTube, afin que vous puissiez encore les repasser, encore à votre guise, encore quand vous avez un temps libre, à la gloire de Dieu. Oui, bonjour, bonjour, pasteur Wesley, c'est là, pasteur Robert, c'est Dieu, et puis encore les autres qui sont là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Somme, 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 somme. Il y a pourquoi on est envoyé dans somme quand même. Somme 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux.
Nous voyons nos années s'évanouir comme un songe. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ô Dieu éternel, jusqu'à quand aie pitié des serviteurs? Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œil se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen, amen, amen. Yes. Bon, aujourd'hui est vendredi. Pour les vendredis, vous savez qu'on lit toujours le psaume 93. Le psaume 93 pour le vendredi, le psaume 94 pour le mercredi et le psaume 92 pour le samedi. Aujourd'hui est vendredi. Oui, je crois que c'est vendredi. C'est vendredi. Yes, c'est vendredi. Alléluia, nous allons lire pour le psaume 93. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté, il est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leurs voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes et des puissantes eaux. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Des flots impétueux, alléluia, de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Ces témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Parole du Seigneur, parole du Seigneur, parole du Seigneur. Ô, que tu es grand, que tu es puissant, majesté bénie, alléluia. Nous célébrons ton nom, nous t'exaltons, nous te donnons gloire, alléluia. Et pour encore, Seigneur Dieu, la nuit que tu as permis que nous traversions sous ta simple protection. Nous sommes revenus ce matin, alléluia, frères et sœurs, alléluia. Nous ne sommes pas encore à l'hôpital. Nous te demandons de visiter le pasteur Marco Jex qui est à l'hôpital depuis 3h du matin, alléluia. Avec encore Sister Edith Jex, Seigneur Dieu, encore qui n'est pas aussi en bonne santé, mais qui se trouve aussi à l'hôpital avec son mari. Alléluia, car dans les bons jours et dans les mauvais jours, encore, on doit se supporter les uns les autres, spécialement dans le foyer. Mais ce matin encore, nous te sommes reconnaissants pour les autres, nous qui sommes encore en ligne. Alléluia, nous pouvons encore suivre cette émission, l'offrande du matin. Une émission qui apporte la joie, qui apporte encore, Seigneur, la fraîcheur matinale. Oh, alléluia, qui nous apporte encore, Seigneur, une bénédiction spéciale. Pour commencer la journée, nous t'en prions, Seigneur, d'être avec nous et que cette journée apporte la fraîcheur, la rosée de ta présence, la rosée de ta présence, Seigneur Dieu. Oh, car nous pouvons rien faire sans toi. Nous sentons fort souvent, pas qu'à avancer sans où, pas qu'à avancer sans où, espoir mon sinon où. Seigneur, nous pas qu'à faire rien sans où, même si vous êtes ce matin, n'avez pas d'autre. Vous m'avez visité nous, même qui encore Joanne Cadet en main, Seigneur Dieu, Fabienne Mirazil, Marianne Charles, alléluia, José Michel, Marie-Joseph, Yolande Guerrier dans moi, Julien Guerrier, Daline Morcelin, Ketli Exhumé, Manouchka Berus, fait grâce pour Lucita Dreux, nous saluons dans le alléluia. Oh, on avait moins de temps pour vous visiter José Michel, Marie-Joseph, Seigneur Dieu. Uten Fénélus, Elie Léger, Johanna Simon, Edith Jex, Michael Jex, Marie-Camel Edouardzin, alléluia, dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Agis encore en cette matinée, Seigneur Dieu, pour encore Pasteur Wisley, c'est là. Marie-Alexandre et Dieu lui fait Deveus, dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Fais grâce pour Gerline Paul, alléluia, sans oublier. Kaline Cotard, Chalot, Nadège Février, Emile Smith, alléluia, dans le nom du Saint-Verset de Jésus. Que ta présence se fasse sentir dans la vie de Cathy Joachim, alléluia, et Betty Joseph et Betty Lee Joseph, Pasteur Robert, c'est Dieu, alléluia.
C'est aussi pour nous Elsa, Jérôme, Charlie, Julien, Marie, Azor, c'est Ignace, alléluia, agis pour Daniel et pour Solange, agis pour Semlis, Ida, Lazare, alléluia, et agis pour Carmel, Avril, Pasteur Esteke, Jeannot, Jonel, Jean, Stéphanie, Paul, Doxin, fais grâce pour Stéphanie, Léger, Marvel, Renaud, et tant d'autres, Seigneur Dieu, alléluia, que nous bénissons à cette heure. Fabienne Mérazine, Benjumani, encore Pasteur Maëlle et Louis, alléluia, Shirley Louis, Rosevaline, Kitlen, Desbois, Frissonel, Louis, Jude Louis, Jérémy Louis, alléluia, Émile Louis, Ferras, Étienne de Jardin, Vladimir de Jardin, alléluia, et tant d'autres, vous connaissez par cœur et par nom, n'oublie pas encore Wallace Morancy, Ginette Charles, et Garel, et Jonas Emmanuel, Anoussa Boiron, Justani, Anna, et tant d'autres, Seigneur Dieu. Alléluia, nous avons encore que tu visites aussi ma fille Fredlin qui est à l'hôpital. Alléluia, 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 encore le bébé qu'elle porte, Seigneur Dieu, qu'elle a perdu encore toute l'eau dans la matrice, encore du bébé, Seigneur Dieu. Est à l'hôpital, elle est à l'hôpital, Seigneur Dieu, pendant quelques mois. Mais nous te prions encore de sauver la vie, d'épanouir la vie du bébé, de conserver sa vie, conserver le souffle de vie. Permet que le bébé grandisse encore, Seigneur, il manque encore, en dépit du manque de, encore de la carence d'eau. Alléluia. Mais encore, je sais que tu es le Dieu d'Adieu, le Seigneur des Seigneurs. Tu as encore, tu pourras le faire encore, Seigneur Dieu. Alléluia. Agis pour Gerda Merville, pour Seigneur Dieu, et Marie-Alexandre. Alléluia. Et tant d'autres. Agis, Seigneur Dieu. Alfred, Joshua, Joseph, alléluia. Encore, c'est encore, nous attendons un miracle de transformation pour ce jeune homme qui devrait encore prêcher l'évangile, qui commençait à prêcher l'évangile, qui a tout laissé. Seigneur Dieu, agis, Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole qu'il met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume des cieux. Agis pour Cloran Cadet, pour Baï Cadet, leurs deux garçons et leurs deux filles. Agis, Seigneur Dieu, alléluia. Pour Saint Julienne, alléluia, il a ma tante de ce quartier Joachim. Agis, Seigneur, pour Pedro Nobert, alléluia, qui ont douleur, qui ont ravagé le pasteur Rourou, qui en a été jusqu'à présent. Et tant d'autres, l'église Mendoza, l'église Agualoca, alléluia, Makisilia, alléluia, pas oublier encore, Seigneur Dieu, les activités que nous aurons, les 40 jours de réveil qui commenceront ce mercredi qui viendra, Seigneur Dieu, pour terminer le 31 juillet. Pas oublier notre semaine de croisade 24 à 31, pas oublier les mariages que nous aurons le 30. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Agis, Seigneur, selon ta puissance, agis selon ta grandeur. Agis pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous tournons encore notre Bible dans l'Épître de Paul aux Romains. Dans l'Épître de Paul aux Romains. Mais après-midi, nous avons essayé de méditer sur Romains chapitre 8 que nous allons reprendre. Alléluia. Le peuple de l'esprit contre le peuple de la chair. Le peuple de l'esprit contre le peuple de la chair. Par l'esprit qui libère de la vieille nature et produit la justice. Dans l'Ancien Testament, la chair pouvait désigner n'importe quelle créature mortelle, mais elle désignait particulièrement les êtres humains dans l'Ancien Testament. Mais, alléluia. Elle avait une connotation de faiblesse et de mortalité, particulièrement quand elle était en contraste avec Dieu et son esprit. Mais sur la période du Nouveau Testament, cette connotation de la chair de faiblesse s'étendait à la faiblesse morale, comme dans les manuscrits de la Mère Motte, et pouvait encore intégrer la susceptibilité humaine au péché ou à l'égocentrisme, contrairement à une vie centrée sur Dieu. Donc c'est pour ça qu'on en parler de la chair dans l'Ancien Testament, nous parler encore des êtres humains. Alléluia. Mais quand on parle de la chair dans le Nouveau Testament, il parle d'une faiblesse morale. Il parle encore de l'égocentrisme, le moi. Alléluia. Alléluia. L'égocentrisme, quand on parle de le moi. Il parle aussi de la susceptibilité humaine du péché. Alléluia. Tout ça, c'est ça qui encore a parlé de la chair dans le Nouveau Testament. Encore une vie dirigée par la chair, encore c'est une vie qui dépend de l'effort limité, des ressources restreintes de l'homme. Une vie d'égoïste, contrairement à une vie dirigée par l'Esprit de Dieu. C'est ça, une vie dirigée par la chair.
l'utilisation de la chair et l'esprit, par rapport à faire référence à deux sphères de l'existence. Alléluia, en Adam ou en Christ. Et la chair fait partie encore, vivre selon la chair, vivre selon l'Adam, l'Adam de l'Ancien Testament. Et puis encore pas l'Adam, le nouvel Adam du Nouveau Testament. Encore, vivre selon l'esprit, c'est vivre selon Christ. Non pas à deux natures dans une personne. La chair en tant qu'elle n'est pas mauvaise dans les Écritures du Nouveau Testament. Christ a été fait chair. Christ a été fait chair. C'est l'incarnation. Alléluia, c'est l'incarnation. Bien que n'étant pas la chair pécheresse, alléluia, mais et nous vivons dans la chair, dans le sang, dans le corps. Parfois le mot vivre dans la chair, parfois signifie vivre dans le corps. Alléluia. Mais encore la traduction, la nature pécheresse dans l'ancienne version anglaise, corrigée dans la plupart des nouvelles versions, peut être trompeuse parce que certaines personnes aujourd'hui pensent que l'esprit et la chair sont deux natures dans une même personne. Tandis que l'esprit ici, c'est l'esprit de Dieu. Ce n'est pas une partie spéciale d'une personne, mais la puissance de la présence de Dieu. Alléluia. Donc, regardez, nous avons décrit dans Romains chapitre 7, 15 à continuer, hein, qui était décrit lutte de deux aspects de la personnalité humaine. Dans Romains chapitre 15, 7, là, Paul t'a parlé en bataille, alléluia, de deux natures humaines qui gourmaient, alléluia, la chair et l'esprit. La chair, encore, alléluia, selon la chair, n'est pas qu'à faire, n'est pas faire ça qu'on est pour le faire. Ça qu'on est pour le pas faire, c'est le faire. Alléluia, c'est une lutte, d'accord, une lutte. La raison et les passions. Alléluia, la lutte de deux aspects de la personnalité humaine, la raison et les passions, qui essayent d'accomplir la moralité divine par l'effort humain. Mais ce n'est pas ce genre de lutte qui est en cause ici, où les gens vivent cette chair, soit par accord, soit en acceptant le don de Dieu. Alléluia. Donc nous jouons continuellement dans chapitre 8 là. Alléluia, la chair simplement en tant qu'existence corporelle et force humaine est mortelle. Elle n'est pas adaptée pour affronter le péché. Nous pas qu'à faire face à péché, à Jean que nous y est, avec notre condition. Alléluia, Jean que nous y est. Donc encore, nous avons besoin d'être en esprit. Nous avons besoin d'être en esprit. Il pourrait parler, encore la Bible pourrait parler, marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien que les thèmes soient utilisés de façon flexible dans la Bible, dans un sens, encore nous sommes chers, particulièrement dans le testament, mais le problème n'est pas que les gens soient chers, mais qu'ils vivent leur vie selon leur propre volonté, au lieu de vivre selon la puissance de la grâce de Dieu. Quand nous vivons notre vie selon notre propre volonté, nous vivons selon la chair. Et ça, la chair est la reine de l'existence. Des arènes, ce stade-là, ce stadium pour l'existence-là. Mais la vie ne doit pas être menée par les passions corporelles. Malgré la vie, c'est la reine. Arène, arena. C'est pas une reine, mais une arène d'accord, de l'existence-là. Alléluia. Mais et la vie n'a pas dû être menée par passions corporelles comme les animaux, mais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit a oint particulièrement le peuple de Dieu pour prophétiser dans l'Ancien Testament, mais aussi lui accorder la puissance pour faire d'autres choses. Ici, comme dans les manuscrits de la mère morte et au cas de l'Ancien Testament, l'Esprit permet à une personne de vivre dans la droiture. C'est ça, Saint-Esprit a seulement qui peut aider nous à vivre droite. Et c'est Saint-Esprit qui a aidé pour un marot pour nous vivre droite. Dans le judaïsme, l'Esprit indique la présence de Dieu. Okay? Ici, l'Esprit communiquait la présence, la puissance et le caractère même de Christ. Alléluia. La question de savoir si la loi apporte la vie ou la mort dépend du fait qu'elle soit écrite dans le cœur d'une personne par l'Esprit. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, dans Jérémie 31, quand il parlait dans la Nouvelle Alliance, excusez-moi. Il a parlé de la Nouvelle Alliance. Cette Nouvelle Alliance, ce n'est pas une Nouvelle Alliance de la chair écrite encore sur des tables de pierre, mais c'est encore cette nouvelle loi qui sera écrite dans nos cœurs. Yes. Il dit, m'a écrit dans le cœur. Non? Il dit qu'on s'est allié là. L'Esprit, encore, lui communique la présence. Puis encore, la question de savoir si la loi apporte la vie ou la mort dépendra du fait qu'elle soit écrite dans le cœur d'une personne
pour qu'elle soit mise en pratique en tant que norme extérieure de justice, ce qui est impossible par les fois encore. On a fait effort humain, hein, ou pas capable d'observer, ou pas capable de servir bon Dieu avec effort humain, hein, mais avec cet esprit bon Dieu qui n'en voit. Alléluia, ou capable de faire ça. Alléluia, l'expression régler le problème du péché. D'accord? Alléluia. Il faut probablement une expression de la Septante pour parler d'un sacrifice pour le péché. Alléluia. Les philosophes ont souvent encouragé les gens à fixer leurs pensées sur les choses éternelles, célestes ou divines, plutôt que sur les passions et les choses passagères de ce monde. Ce sont les philosophes qui toujours disent nous pouvons pas penser là. Parmi nous, on a des philosophes qui craignent Dieu. Vous savez encore Blaise Pascal. Oh yeah. Blaise Pascal, alléluia. Je me mets lui, monsieur. Côté lui, Blaise Pascal, mes amis. Ceux qui ont besoin de lui, je vais chercher le bac à non. Pascal, pensez les pensées de Blaise Pascal. Oh yeah, yes. Sir. So, quelques philosophes qui savent faire. Ils ont encouragé encore les hommes, les gens, à fixer leurs pensées sur les choses éternelles, les choses célestes ou divines, plutôt que les passions, les choses passagères de ce monde. Donc, on a encore un autre philosophe du nom de Philon. Philon condamnait ceux dont les pensées étaient captives de préoccupations du corps et de ses plaisirs. On a encore qui a conseillé encore jouir, faire quoi, etc. Il y a encore Philon, pas d'accord, condamné ça. Certains philosophes encourageaient leurs disciples à négliger les questions corporelles ancrées sur la mortalité en méditant sur les questions célestes. Paul, un philosophe aussi. Toutefois, c'est l'Esprit de Dieu qui permet ce nouveau cadre. Quoique les philosophes encourageaient les gens encore à fixer leurs pensées sur les choses éternelles, célestes et divines, mais Paul vient découvrir que encore, l'encouragement ne suffit pas, car les hommes, nous n'avons pas la capacité de fixer nos pensées sur les choses éternelles et célestes et divines. Mais nous avons besoin d'une force. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est encore ce que ça dit. Paul dit que c'est le Saint-Esprit qui permet encore ce nouveau cadre. Les philosophes valorisaient la tranquillité de l'esprit. Mais la formulation de Paul, d'accord, c'est l'esprit qui fait confiance à Dieu, qui obtient la paix, etc. Donc, nous étions aussi, les philosophes ont été divisés aussi, l'humanité ainsi, les gens éclairés et les insensés. Les gens éclairés, la littérature de la sagesse et les manuscrits de la mémoire dit encore divisaient l'humanité en termes de justes et de méchants. Donc, nous avons deux là. Pour les philosophes, le monde est divisé en des gens éclairés et des insensés. Et puis, dans la littérature juive, alléluia, les hommes divisés entre les justes et les méchants. Les justes et les méchants. Les nous exprimer différents types d'idéaux, les auteurs en général ne prétendaient pas que tout le monde, eux y compris, fut parfaitement sage ou parfaitement juste. Paul divisait l'humanité en deux classes. Ceux qui ont l'esprit, qui sont les chrétiens, et ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Donc on est là, nous prenons trois différents groupes là, trois différentes idéologies. Pour les philosophes, je dis, les gens divisés en deux classes, ce sont les éclairés et les insensés. Pour les juifs, c'est encore les justes et les méchants. Pour Paul, ceux qui ont l'esprit de Christ et ceux qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, un qui groupe derrière là, ou bien parmi les philosophes, ou bien parmi les juifs, ou bien parmi la déclaration de Paul, qui sont venus, dans qui groupe vous verrez là. D'accord, ceux qui ont l'esprit, ce sont les chrétiens. Nous qui sommes encore en pleine vie, qui suivons maintenant, nous sommes du groupe de ceux qui ont l'esprit. Nous sommes les chrétiens. L'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous sommes du nombre de ceux qui ont l'esprit de Christ. Nous sommes du nombre de ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Paul ne prétend pas que les personnes qui ont l'esprit agissent parfaitement, mais plutôt qu'ils appartiennent à une sphère différente que ceux qui n'ont pas. Ça parle de les encore ceux qui ont l'esprit, nous qui avons l'esprit de Dieu, nous sommes parfaitement. Et nous agissons parfaitement. Nous ne sommes pas parfaits pour cela. Mais, alléluia, il y a encore une différence de sphère de parler encore entre nous-mêmes et ça pas des questions. Oh yeah, il y a une différence là. Donc, pas bon, c'est vrai, mes amis, mais
Donc, pas besoin de comparer avec nous, mais deux groupes, ça y est, ceux qui, encore, Moussa, qui ont l'esprit de Christ, encore, vivent encore, avec mon café, c'est là, maintenant, c'est deux groupes différents, on est capable de voir la différence, là. On est capable de voir la différence, là. Alléluia, alléluia. C'est dans la déclaration pour la rue, là, tout manuscrit, yes. Pour les philosophes, ils disent c'est deux groupes, les éclairés et les insensés. Pour les justes et les méchants. Mais pour encore Paul, c'est encore ceux qui ont l'esprit de Christ et ceux qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas l'esprit de Christ. C'est la savoir avec ma marche et tout, manuscrit. Yes. Alléluia. Donc l'expression ceux qui sont sous l'emprise de la chair. D'accord, alléluia, il résumait probablement l'état de la personne. Certaines personnes croyaient que l'inspiration venait seulement quand l'esprit de l'homme avait été vidé, comme dans certains sectes mystiques. C'est pour ça que je dis ça. Pour cet esprit est capable de venir, il faut que l'homme capable encore l'esprit, d'accord, il faut l'esprit de l'homme capable de vider. Il faut l'homme capable de vider de l'esprit. C'est encore pour empty. Men should be emptied from their spirit pour que cet esprit capable venir. C'est pas ça lié dans la Bible là. Encore groupe ça qui vient avec ça, c'est et mon ça qui a fait et comment on dit ça là et méditation. Il a fait méditation. Ou je ça dans groupe yoga. Yoga pas pour chrétien, non? On connaît ça. Encore peut-être pour ceux pas connaît ça. Yoga pas pour chrétien. On connaît un petit mot yoga dans l'école, c'est vrai. Qu'on fait ça, on fait méditation, qui ça on fait lui, pour être capable d'empty d'un self, pour être capable de vider l'esprit, retirer l'esprit au dans vous-même. Mais de pour faire ça, on retire, c'est parce que cet esprit pas place ou fait pour cet esprit, bon Dieu, vous connaissez l'autre esprit qui vient. Puis il faut que ça vienne posséder après. Yes, dans tes jeunes garçons comme ça, il vient posséder. Dans toute cette méditation, toute la journée, mais d'accord, je joue ça dans le collège. C'est un en collège, je suis en collège, tu aller dans collège loin de famille, loin de l'église. Tu me dans l'église, mais aller dans collège loin de famille, loin de l'église, loin de l'adoration, loin de encore là, il va frotter avec l'autre groupe. Et puis c'est comme ça, il tombe encore dans méditation. Méditation, ça c'est dit you empty yourself. You empty yourself. When you empty yourself, fruit of your spirit. Donc encore, vous vulnérable pour n'importe esprit entrer. Parce que sous ta impression, c'est sous ta dans le domaine de Dieu pour ta instinct. C'était encore dans la prière, dans le plan, oui, l'église, ok, encore, etc. Ou capable de d'accord, mais on a empty yourself dans un milieu qui parle de bon Dieu. Donc on est à la crise après venir. Et bien, on va l'entrée. Et Dieu, expression encore, le dit que certaines personnes croyaient que, il y a un peu de monde qui croyait que l'inspiration l'a venu seulement quand l'esprit de l'homme sorti dans lui a été vidé, comme dans certains sectes mystiques orientaux. Alléluia. Mais Paul lui-même, il parlait de tendance de l'esprit aussi bien que des tendances de la chair. Au lieu d'opposer la raison à l'inspiration, il contrastait un état d'esprit simplement humain avec un état d'esprit dirigé par l'esprit, encore par l'inspiration de Dieu. La plupart juifs prétendent avoir l'esprit. Ils croyaient que l'esprit ne serait pleinement accessible c'est jusqu'à la fin des temps. Mais après que le Messie soit venu, tout ce qui était vraiment le peuple de Dieu va voir l'esprit agir en eux. Je vais faire une référence dans quelques références. Isaïe 43, 44. Verset 3, Isaïe 59, 21, Isaïe 39, 29, tout ça, Ézéchiel 39, je ne sais pas les noms. Mais juifs à cette époque, ils distinguaient habituellement l'âme et le corps, comme les Grecs, bien que pour les Juifs, la division du sang, comme il y a du corps, qu'à la mort. Ils ont dit, ils ont été divisés encore, et l'homme, encore corps et esprit, l'âme et corps. L'âme et corps, même j'avais grec, mais il dit division, ça c'est jusqu'à la mort qu'il est capable de dire comme ça. Certains autres juifs étaient influencés par des catégories grecques plus que d'autres. Mais Paul ne dit pas ici que l'esprit humain est vie, mais littéralement il décrit que l'esprit est vie. C'est pas l'esprit humain qui est vie, mais c'est l'esprit de Dieu avec majuscule, c'est qui bat la vie. Hein. Donc il veut dire que le corps était toujours sous la sentence de la mort. Mais que l'esprit qui habite dans les croyants a ressuscité finalement le corps. Yes. Tout corps nous en bas sentence la mort. Alléluia. Encore tout corps nous en bas sentence la mort. Mais les corps a gain l'esprit bon Dieu là-dedans. Yes, l'esprit a la ressuscité le corps. C'est l'esprit de Dieu qui a ressuscité les morts. Donc il dit pas gain l'esprit bon Dieu non, comment on va le encore encore. Alléluia. Yes. Il faut gain l'esprit de Dieu. Les juifs croyaient que Dieu ressusciterait les morts à la fin des temps.
Mais Paul va le modifier enseignement ça par une seule étape. Dieu a déjà ressuscité Jésus et cet événement est le signe certain que le reste de la résurrection aura lieu un jour. Nous connaissons qui ça va faire, que laquelle est encore côté de la pointe Ménéon. Dans les Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 a continué de parler pour nous encore et dans la tristesse, très comme les païens, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais il dit encore qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Évidemment. Alléluia. Et puis nous, les vivants, serons restés, serons encore tous enlevés, transformés. Aller avec un corps glorieux pour être capable de lever dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est cette résurrection qui pourrait parler là. Donc encore dans verset 12 à 17, Paul va parler d'être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Alléluia. Les Juifs considéraient leur délivrance de l'Égypte comme leur première rédemption. Et certains attendaient impatiemment la venue du Messie comme le nouvel Exode. L'acte suprême du salut de Dieu. Dans cette espérance, les prophètes qui parfois représentaient la future délivrance, encore les autres, ils ont été préfigurés. Donc, ça t'a vu selon la chair, par exemple, les créatures corporelles, par exemple, par propre force, on t'a vu selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre par propre force, pas. Et pas vivre dans le péché, non. Vivre selon propre force, pas. On t'a fait, pourquoi moi? Je n'ai pas besoin de bon Dieu, je n'ai pas besoin de présence de bon Dieu. Alléluia. Moussaïo qui a vu selon la chair, alléluia, il a mouru. Mais ceux qui a vu par l'esprit, eschatologiquement, encore, il a ressuscité encore par lui-même. Alléluia. Il a ressuscité par lui-même. Nous croyons dans la résurrection des morts. Oh yes, elle avait fait quand même. Alors, cet testament déclarait souvent que Dieu a conduit Israël à travers le désert concernant le nouvel Exode. Alléluia, encore appelé ses fils ou ses enfants comme il les a rachetés. Alléluia, tant que dans le langage dévotionnel, que dans le langage historique, la direction de Dieu était parfois associée avec son esprit. Il ne supporte pas le jouer encore sur l'idée de la sortie d'Égypte. La gloire de Dieu a conduit son peuple à progresser et non pas à reculer par l'esclavage. Le peuple a sorti dans les, encore l'esprit de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu manifestée par la nuée. Et par la colonne de feu, il conduit le peuple à progresser, mais non pas à regresser dans l'esclavage, à avancer vers encore le pays promis, la terre promise. Donc nous, par l'Esprit de Dieu, nous avançons vers, alléluia, le millénium. Alléluia. Ils ont été adoptés comme des enfants aussi dans le Nouveau Testament. Même Jean-Israël a été adopté. D'accord? Nous sommes aussi adoptés. Même Jean-Israël a été choisi pour encore comme un sacerdoce royal. Nous aussi, nous sommes encore devenus un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il va dire dans Pierre. Alléluia. Alléluia. Il les a adoptés comme ses enfants. Ici, l'esprit souvent associé à l'inspiration. Tu l'as suivi, l'ancien testament, esprit croyant, expérimenté une relation intime avec Dieu. Étant adopté, nous capables les bons dieux, nous, Abba, concernant Abba. Abba, alléluia, nous te voyons ça. C'est même mot romain encore. Alléluia, les juifs romains parlaient araméen. Ils connaissaient probablement la façon spéciale dont Jésus s'adressait à son père, comme il dit Papa, alléluia, papi, papa, my papi, etc. C'est ça, Abba avait dit. L'adoption humaine qui pouvait s'accomplir à n'importe quel âge. Étant adopté, pendant nous venons adopter, hein, nous avons le privilège d'appeler Dieu papa, papi. Ah, il dit encore, ou a prié au gendoire les papi. Oh yeah, papi me vient en pied au matin. Hein. M'a demandé une grâce ou une compassion. Alléluia. Papi me vient en pied, m'a demandé où va toucher. Papi me vient lever journée en bas où. Papa. Et encore, il devient notre Abba, notre père, notre papi, notre daddy, notre papito. Alléluia, c'est papito nous lié. Nous vivons une relation de père et fils ensemble avec lui. Alléluia, c'est ça lié. Alléluia. Mes amis, nous campons là, nous avons beaucoup dit, hein, et nous avons un pile pour nous dire encore. C'est pour ça que nous campons là. Et nous, bah, bon Dieu, est-ce qu'il y a accordé nous ce privilège, nous sommes capables de joindre là. Nous saluons Pasteur Claudel, Léonard, que Dieu vous bénisse. Parce que nous saluons Élisée, celui-là, à Dieu l'Ouvre-Mère. Alléluia, que mon Dieu bénisse.
C'est l'offrande du matin. C'est chaque matin, oui. 6h pour 7h, nous avons encore quelques adorations à la prière et puis l'étude de la parole de Dieu. Maintenant, on a étudié les épîtres de Paul. Nous avons Romains chapitre 8, là, on a continué avec lui. Alléluia, nous servir avec un livre, ça. Les épîtres et Apocalypse expliquer comment encore du contexte culturel biblique. Alléluia, il est écrit par Craig Kinner. Nous servir aussi avec encore encyclopédie des difficultés bibliques, encore les lettres de Paul, alléluia, nous servir avec ça pour le moment. Donc que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur Frère Joseph, pas oublier, partagez-le pour nous, et puis allez sur page l'offrande du matin, ou capable d'aller là-dedans, ou capable de reprendre sur YouTube, donc on page l'offrande du matin, l'offrande du soir, ou capable d'aller encore abonner là-dedans, et puis ou capable toujours gagner étude ça de temps en temps. Que Dieu bénisse. Et si vous avez besoin nous, encore de ces livres qui sont très chers, ça a cher un peu. Ça gagne 9 livres là-dedans. 8 volumes pour 9 livres. Parce que volume D a gagné 2A et 2B. Mais c'est tout ce qu'il vous faut si vous êtes un étudiant de la Bible, si vous êtes un qui a besoin qu'on encore fou pour connaissance la parole, bon Dieu. Encore c'est ce qu'il vous faut. Alléluia. C'est ça que tu as besoin. Encore encyclopédie des difficultés bibliques. Alléluia. Il commence avec deux Pentateuques, et encore les livres historiques, 2A, 2B, et Pentateuque, là, c'est livre 1, les livres poétiques, et les livres encore, et prophétiques, et puis il prend encore Évangile et Actes, pour 5 ans, les épîtres de Paul, c'est livre 6, les épîtres générales, les épîtres catholiques, 7, et puis Apocalypse 8, également, on aura le 9 livres. Ça, lui-même, c'est en 4 livres liés. D'accord, Évangile et Actes expliqué, 1 et 2, volume 1 et 2, et puis Épître et Apocalypse expliqué, volume 1 et 2 en 4 livres. Ça, il est plus bas pour ça, ça gagne ça au 25$, ça n'a pas 20 cher. Mais ça, maman, mon père m'a lié. Pour acheter toutes 7 ça, là, pour tout 752$ américains. Il n'a pas besoin d'eau du cher en plus. Chaque grand livre qu'on a est dans $100 comme des oui. Mais c'est une grosse affaire. Encyclopédie des difficultés bibliques. Tout côté qui a une difficulté dans la Bible, eh bien, il explique au livre. C'est ça. Il y a quelques versets qui sont malouques, et quelques passages dans la Bible qui sont malouques. Il y a besoin d'un professeur pour expliquer au livre. Eh bien, encyclopédie des difficultés bibliques. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais vous donner pour la matière pour vous aller. Vibration rétro. Yes, allez nous dire au revoir là-haut. Mes paroles là. Si je dois faire des doublins, ben non, pas pour chanter. Ta parole. Es-tu lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Cette parole était là au corps.
elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie. La vie, la lumière du monde, cette lumière.